Échauffement des voix et dernier accord avant le spectacle d'un samedi après-midi chantant. Une fois par an, quand il n'y a pas pandémie, Cappelbrook chante au son des chorales. C'est la chorale locale, la boîte à chansons, qui, le temps d'un samedi après-midi, met au diapason, pour le bonheur d'un public amateur, les chorales invitées au festival Musibrook. Alors aujourd'hui, c'est le 4e festival de chorale de Cappelbrook. Nous nous réunissons entre chorales complètement différentes pour chanter ensemble, passer une bonne journée. Cette année, 4 chorales se sont retrouvées au Musibrook, choisies justement pour la variété qu'elles représentent. On connaît les chorales, on savent quel le répertoire, comment ils fonctionnent, avec une bande instrumentale ou avec des vrais musiciens, ou alors sans rien du tout. Il y a des chorales où ils n'ont pas du tout d'accompagnement musical. On va les écouter, on voit ce qu'ils produisent. Mais bon, on essaye de varier quand même, que ce ne soit pas tous comme nous, quoi. Et cette année encore, le festival aura permis au public de voir et d'entendre différentes façons de chanter ensemble, avec des chorales très différentes par leur répertoire, leur approche du chant et la façon de s'accompagner musicalement. La chorale de Warem, qui s'appelle les chanteurs du soir. Ensuite, il y avait la chorale de Le Frincouc, la chorale Saltarella et la chorale de Merkegem. Alors c'est un nom un peu flamand, ça s'appelle Ek, Out et Nous. Et donc nous, alors notre chorale de Cappelbrook qui est la chorale La Boîte à Chansons et la chorale de Milam en Fête, qui s'appelle Milam en Fête. Tout au long de l'après-midi, les chorales se succèdent sur la scène, chacune apportant un timbre différent. Le public lui-même se transforme en chorale, toute la salle chante, fredonne, reprend un refrain pour une œuvre chantée, improvisée, unique. Ça nous fait beaucoup de bien de chanter, ça nous aide, déjà c'est bien pour la santé puisque ça nous aide à bien respirer. Et puis on prend plaisir de chanter tous ensemble, on passe un bon moment, il y a une bonne ambiance. Il y a des âges complètement différents, il y a même des jeunes maintenant avec la chorale de Milam, des très jeunes. Et puis tout le monde en fait aime la chanson, donc le but c'est de se faire plaisir et de chanter ensemble. Le clou du festival, c'est lorsque les groupes invités se rassemblent en une seule chorale qui, à l'unisson, fait vibrer les murs de la salle et fait chaud à un public qui se lève pour applaudir.